Sécard, je suis Data Scientist et on va vous présenter le projet 29, l'infométrie. Bonjour, je m'appelle Massimo, je suis médecin spécialisé dans le cancer du sein à Strasbourg. Le lymphœdème, c'est la survenue d'un gonflement du bras après le traitement pour un cancer du sein. C'est une complication qui peut être grave et dangereuse et qu'on ne veut plus voir chez nos patientes. Malheureusement, c'est également une complication qui est fréquente. Sur les 7 millions de femmes dans le monde qui sont atteintes d'un cancer du sein, un tiers d'entre elles sont à risque de développer cette complication et environ 500 000 femmes en ont une. Bonjour, moi c'est Julien, je suis kinésithérapeute et une autre problématique c'est qu'actuellement le diagnostic il se fait beaucoup trop tard, à un stade déjà avancé de la maladie. Les outils de mesure qu'on a c'est pour l'instant le mètre ruban et c'est très compliqué pour une patiente de prendre ses mesures elle-même. Donc ça nous amène à un traitement compliqué qui est assez long, contraignant pour la patiente. Et on a par exemple des délais d'attente d'un an pour accéder aux soins intensifs de l'unité de l'œdème de Strasbourg, ce qui nous amène à nous détacher un coût social important. Alors, notre solution, c'est l'infométrie, le premier manchon connecté pour la prévention du lymphœdème. Alors, il y a deux applications de l'infométrie. Le premier, c'est d'alerter la patiente s'il y a un gonflement de son bras. Mais c'est aussi un moyen pour la patiente de choisir les bonnes activités qui vont pas avoir d'effet négatif sur son lymphœdème. Bonjour, alors moi, c'est Lorraine. J'ai été atteinte d'un cancer et 15 jours après mon opération, mon médecin et mon kiné m'ont conseiller ce manchon connecté avec l'application. Donc, avec l'application, ça permettait de tracer toutes mes activités et ainsi savoir qu'est-ce qui a déclenché le problème. Et l'application permettait aussi de me prévenir en cas de gonflement inquiétant du bras. Donc, du coup, j'ai pu continuer ma vie, reprendre le boulot, tout ça sans inquiétude. Et aujourd'hui, c'est la première fois depuis l'opération que je fais du tennis. Bonjour, je suis Florian, le lymphœdème. Alors là, vous allez assister à une démo live de l'objet connecté. Donc on est connecté au bras de la patiente et vous avez ici l'ensemble des informations qui s'affichent. Il y a un très léger décalage parce qu'on est en train d'être connecté. Et vous allez voir l'ensemble de la courbe qui évolue avec ici l'augmentation qui a eu lieu juste ici. Et qui signale le pic en fait d'augmentation suite à une activité dangereuse. Et donc l'idée c'est de dire à la patiente que certaines activités sont à risque.